Coucou les amis, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Car moi je vais très bien. Aujourd'hui on va continuer la mission qu'on a fait la dernière fois, qui est d'aller sur Mars. Alors ce même fusée que la dernière fois, c'est rajouter une petite tour de lancement. C'est parti. Alors l'atterrisseur sera exactement le même, mais je l'ai juste amélioré. Puis j'ai compris la technique maintenant pour atterrir sur Mars. Par contre, je me suis rendu compte que les parachutes sont très efficaces comparé à la vraie vie. Sur Mars, les parachutes, ça sert presque quasiment à rien. Bah dans la vraie vie, bien entendu. Bon, c'est suffisant comme ça. Yeah, j'ai visé le bon moment. Voilà.
Donc là, on va aller en direction de Mars. Cette fois, je vais essayer de ne pas faire l'erreur d'aller trop rapidement. Aïe. Il nous manque encore beaucoup de carburant. Maintenant, il faut se mettre en orbite. Donc mon but d'abord c'est de ralentir au maximum. Je vais juste injecter les coiffes. Donc là je regarde la vitesse et je veux vraiment qu'elle tombe. Oh. Peut-être on fait une mission réussite.
Ah, je me suis pas rendu compte que en réalité je m'envolais dans les airs. Est-ce que ça va être un atterrissage réussi sur Mars? Ou est-ce que ça va se passer comme dans la dernière vidéo? On pourra enfin bientôt déployer les parachutes. Par contre, il manque presque plus de carburant, donc on va essayer de pas les gaspiller. Les parachutes vont me ralentir. Où je vais atterrir. Ok, à peu près dans ce trou ici. Ou ici. On s'approche. On atterrit dans où? Pourquoi on fait toujours atterrir dans les pires endroits? On a réussi. On a enfin atterri sur Mars. Par contre, j'ai pas assez de carburant pour décoller. Ah, la texture de cette planète est bien faite comparée à la Terre. Ah, je l'aime bien. Comment on va nommer cette mission?
Et voilà. Je renomme un peu mes appareils, sinon il y a trop de triangles et j'arrive plus à savoir c'est quoi. Ben, c'était une mission réussite. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la dernière fois. J'ai essayé de faire une représentation de la Ariane. Attendez. Je crois qu'elle est plus belle avec ce moteur. Le problème, c'est que ce moteur est tellement gros que j'arrive pas. Ah, au moins comme ça, il est plus beau. J'ai découvert aussi quelques petites choses très intéressantes. D'abord, par exemple, tu prends cette capsule. Bon, tu descends un peu ce cas-là, tu mets ça. Puis là, je peux. Ah, voilà, comme ça, c'est bien. Et là, tu peux la customiser. Donc, si vous n'aimez pas trop les capsules, vous pouvez par exemple la mettre en orange, gris. Ah, elle me fait vraiment penser à une capsule Apollo. Et on peut faire exactement la même chose avec le moteur. Tu mets ça là. Pas ça. Voilà. Donc tu peux mettre ça en noir. En gris. Non, orange, ça fait trop laid. En noir. J'ai découvert quelques petites choses. J'ai aussi découvert autre chose qu'avant je savais pas. Je sais pas si ça va marcher cette fois. Voilà. Et là, selon moi. Ah oui. Attends. Je vais mettre pièce incassable. Si vous l'avez pas vu, même si je mets des structures, je peux détasser ça. Il y a aussi autre chose très intéressant que j'ai su. J'ai trouvé comment me faire un bouclier thermique. Je vais pas tarder à savoir comment je vais faire. Et voilà, j'ai un bouclier thermique. Ah, il marche bien. Est-ce qu'il marcherait avec mon Starship?
Ah, ça bug. Ça, c'est un petit bug. Et voilà. Attends, on va essayer de mettre un bouclier thermique. Ah, je crois que je vais devoir prendre des plus gros. Non. Ah bah voilà, lui il va bien. Pour le con, je fais comment? Ben, pas grave, le con, on n'est pas obligé. Oh merde, j'ai oublié quelque chose. Est-ce que ça va faire un bouclier thermique ou ça va faire une catastrophe? Ça fait une catastrophe. Attends, je crois que la seule chose, c'est lui qui gasse, je crois. Bah là, c'est quand même acceptable. Peut-être que lui, on pourrait prendre une coiffe comme ça. Je comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Ah, ça c'est quelques petits problèmes qui arrivent. Bon, là c'est beau là.
Bon. Peut-être que comme ça serait mieux. Pas du tout. Maltais, tout le reste est bien. Bon ben voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé assez cool. Aussi, j'ai essayé de développer une Saturn 5. Mais j'arrive pas. Il se passe quoi? Ah, ok. Ah, ça se pourrait faire beau. Je pourrais par exemple mettre ça en noir. Ah oui, ça pourrait faire de beaux motifs. Ça fait assez stylé. Ça serait parfait si on pouvait le faire sur une Facal 9. Par exemple, sur lui, j'aimerais bien essayer. Ah, c'est un peu petit, donc on va prendre cela. Ah oui, mais c'est beau comme ça. Attends, ça va être la nouvelle fusée Kennedy. Si vous demandez pourquoi j'écris X étage, c'est juste pour me rappeler que ça c'est sans le troisième étage. Car je peux ajouter un troisième étage si je veux. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On a enfin pu atterrir sur Mars. La prochaine fois, on va viser plus loin. On va peut-être essayer de retourner sur Vénus, la Lune ou Mars. Et après, on pourra aller en direction de Mercure, voire Jupiter. Par contre, pour Jupiter, il nous faudra une fusée énorme. Donc, à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Bye.